Est-ce que vous pensez qu'il y a un couple, il me l'a même pas dit. À la fin de la vidéo, je vais lui demander des comptes, hein. Jamy, Mathis et moi, je pense que c'est fini entre nous. Et je dois t'avouer que j'ai des sentiments pour toi. Coucou tout le monde, c'est VerbPCH et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec mon petit frère. C'est moi. Donc il s'appelle Lucas pour ceux qui connaissent pas. Qui se rappelle du petit je drague mon frère avec une fake? Bah c'était lui. À part ça on n'a jamais fait de vidéo ensemble. Non. Du coup bah c'est la première fois que je fais une vidéo en réel avec lui. Du coup pour ceux qui veulent savoir et tout un petit peu, il a 14 ans. C'est ça hein? Ouais. Ouais parce que... Parce que la dernière fois tu t'es trompé quoi. Ouais voilà. Je savais plus trop. Et pour cette vidéo on va faire une vidéo assez drôle. J'ai vu le concept sur Maya BF, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Le principe c'est très simple, c'est juste que en fait pendant 10 minutes on va s'échanger nos téléphones, donc lui le sien là, son nouveau en plus. Est-ce que t'as encore les anciennes photos et tout dedans? Ouais. Donc c'est bon, il y a encore tout avec la petite coque Hunter X Hunter pour ceux qui connaissent. Et voilà moi mon petit téléphone que j'ai déjà depuis hyper longtemps. Voilà voilou, le concept ça sera très simple, on aura un chronomètre de 10 minutes, on pourra faire tout ce qu'on veut sur les téléphones de l'autre. Il pourra rien dire, tout de A à Z, et il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de truc à pas faire ou quoi, on peut tout faire. Du coup voilà, moi faut savoir que mon téléphone c'est vraiment quelque chose de super important, genre je suis tout le temps dessus, mon travail c'est dessus, toutes les vidéos, les TikTok et puis même la vie personnelle comme tout le monde. Et toi tu fais quoi avec ton téléphone? Bah un peu de tout, je vais sur YouTube, je fais des snaps par exemple. Et... Il est un peu gêné, hein. C'est un peu normal. Je pense que ceux qui n'ont jamais fait, c'est hyper gênant genre d'être face à une caméra pour la première fois. Moi maintenant j'ai l'habitude. Du coup sans plus tarder, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je crois qu'on est bientôt 180 000 et bientôt les 200 000. Donc n'hésite pas à t'abonner, à péter le compteur. Aussi, à activer la petite cloche de notification qui est juste à côté. Et voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'était quoi le... Je sais pas. Il essaye de faire les petits trucs des youtubeurs qui regardent tous les jours. C'est qui ton youtubeur préféré déjà pour commencer? Je sais pas, je regarde Inoxtag et tout comme ça. Et c'est pas moi? Si. Ouais. Bah si, bah... Putain, quand j'ai dit le youtubeur préféré, il a même pas pensé à moi, il a dit Inox. Du coup, je pense que je vais le laisser commencer. Donc, il va avoir mon téléphone. J'ai hyper peur. Je vous laisse avec lui et on va voir ce qu'il va faire avec, hein. Tiens. Ouais. Sache que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Bon, je vous laisse avec lui. Ah mais déjà pour commencer, je sais même pas son code. Depuis tout à l'heure, je sais des codes, mais c'est pas du tout ça, je pense. Hein. Fabien? Ouais. Viens voir. C'est quoi ton code? Ah ouais, déjà, si t'as pas mon code, tu vas pas aller bien loin. C'est ça. Ah. Fais attention à ce que tu fais, hein. Ah mais mince, déjà, je suis parti. Je lui ai même pas mis de chrono. Quand même 10 minutes, pas plus, hein. Faut pas qu'il passe toute la journée dessus non plus. Donc c'est parti, on va mettre un chrono de 10 minutes. 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y. Ah mais déjà, la première chose à faire dans un téléphone, je pense que c'est genre de regarder ses pellicules par exemple et puis l'afficher, ça serait super bien genre. J'ai trouvé. Non mais venez, on regarde la toute première photo qu'il a sous sa pellicule. Oui, je regardais ce que j'ai trouvé, je vais vous mettre juste ici. C'est une photo avec son ex. Comment il peut faire pour encore avoir ça dans son téléphone, sérieux? Non, j'essaie d'en trouver une autre, je vous reprends juste après. Regardez, il avait encore ses boucles, vous en rappelez? Il fait quoi que sa bouche en plus? Oui. En plus, il avait quand même une moustache et tout. Il était trop bégé. Ouais. Non, je pense là vraiment, on va aller faire quelque chose d'autre, on va quitter la pellicule parce qu'on a que 10 minutes, rappelez-vous. Je crois que je viens de trouver une idée de ouf. Je vais me faire un virement PayPal de 10 euros. C'est bon, je vais envoyer 10 euros. Donc je vous mets juste ici le screen. Regardez, du coup, je me suis envoyé 10 euros PayPal, mais je suis trop fier de moi. Par contre, je sais vraiment pas comment il va réagir, mais dites-lui pas dans les commentaires, faut surtout pas qu'il le sache. Donc là, on passe à la prochaine étape parce que je sais pas du tout quoi faire. Donc je vais regarder directement. En plus, j'ai oublié le temps, je pense pas qu'il me reste encore beaucoup de temps, donc on va se dépêcher. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, j'avais oublié, mais en fait, j'ai tous ces réseaux sociaux, genre Instagram, YouTube, Snap. Mais là, en fait, je peux faire ce que je veux. Donc là, je pense qu'on va passer sur une petite pub, donc c'est parti. Donc là, je vais faire une petite pub Insta. Donc là, je vais prendre un screen, je vais mettre dans sa story. Il va péter un câble, je crois. Donc là, je vais mettre un truc dans sa story, je vais mettre un truc genre gênant. Comme ça, il va se taper. Oh. Ah oui, donc là, je pense que je vais mettre « Allez vous abonner à mon frère le plus beau » parce que je suis vraiment très beau. Non, donc là, voilà, c'est super. Donc là, je vais le publier comme ça. Après, je vais voir quand même sa petite réaction, etc. à la fin. Donc là, je pense que j'ai plus du tout beaucoup de temps. Donc là, on va finir par envoyer un message à son meilleur ami en lui disant que c'est terminé avec Mathis. Donc là, on va voir sa réaction en direct. Donc là c'est bon, je vais envoyer le message. Donc j'ai mis Jamy, Mathis et moi, je pense que c'est fini entre nous. Et je dois t'avouer que j'ai des sentiments pour toi. Je sais pas comment il va le prendre. J'espère qu'il va le prendre bien quand même parce que j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes quoi. Donc là je pense que je vais faire un petit dernier truc juste avant qu'il arrive. Parce que là vraiment faut que je sois... Ah Lucas c'est fini. Non, et je vais si. Faire un dernier truc. Du coup je vais pas regarder ce qu'il a fait. J'ai caché. Du coup tu dois m'avouer des trucs maintenant ou... Non, on va attendre je pense. Non, on va attendre à la fin, ça serait mieux. Bon vas-y, va là-bas.
Écoute-moi pas. J'espère qu'il a pas fait des dingueries non plus. Vous déjà, vous savez, moi je suis là, je sais rien du tout. J'ai hyper peur parce que je peux vraiment pas savoir ce qu'il a fait. Je pense que moi aussi je vais en faire des dingueries. Donc même pour moi, je vais me remettre un chronomètre de 10 minutes. Donc à la fin, je pense qu'on va débattre de ce qu'on a fait chacun de notre côté. Donc là, 10 minutes, 3, 2, 1, let's go. Déjà moi, son code, je sais ce que c'est. Il n'y a pas plus facile. Donc go, voilà, c'est bon, je suis déjà entré dans son téléphone. Là, je suis hyper stressé, je vois le chronomètre à côté, j'ai la panique. Qu'est-ce qu'on peut faire sur son téléphone? Je pense que pour commencer, je vais faire un truc assez basique. Je vais aller sur son Snap. Je vais vous mettre l'enregistrement d'écran juste ici de ce que je vais faire. Donc regardez, là, je suis là et tout et tout. J'ai nettoyé la caméra pour un peu de respect. Je vais faire une photo et je vais marquer un truc hyper gênant avec ce filtre. C'est hyper gênant. Je suis hyper choqué. Je vais dire passage. Non mais c'est hyper gênant. De ton frère adoré. Là, on se croirait en 2012. Les gens dans sa story, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait lui avec l'emoji là en mode flamme et tout. Là, on se croirait vraiment en 2012. Bon, c'est parti. On va envoyer ça. C'est envoyé dans sa story. Je sais même pas comment les gens vont réagir. Mais c'est fait. One life. C'est bon, c'est bien ajouté parce qu'il faut quand même vérifier. Ensuite, je vais regarder un petit peu ses applications parce que chacun c'est différent et moi je veux savoir il y a quoi comme application. Bon, là c'est les trucs basiques, donc on s'en fiche. Donc là il y a quoi? Il y a Snap, TikTok, YouTube, Sniper 3D. Qui joue encore à Sniper 3D en 2021? Comment ça se fait là que je reçois plein de notifications et à commencer à vous suivre et tout sur Insta? Je sais pas, je verrai après, je te dirai à la fin. Je suis hyper choqué. Regardez, Alexia a commencé à vous suivre. Et depuis tout à l'heure, ça fait ça. Il y a déjà des snap réactions à ma story. Donc là, on va continuer à regarder ce qu'il y a. Donc comme je vous ai dit, Sniper 3D, qui fait ça? Qui joue à ça? Après, il y a le truc de Play. On le connaît, hein. Twitch, truc de gamer, Clash Royale. Il y a le truc de Rocket League, Discord. Non mais là, c'est trop. En plus, il y a même Telewalkie. C'est quoi ça? Hein? Telewalkie, Je sais pas comment ça marche. On va quitter ça. C'est quoi ça? Lucas, je viens de regarder Telewalkie et il y avait des gens qui parlaient. C'est Talkie-Walkie. Oh, Talkie-Walkie, pardon. Non mais en fait, toi, c'est un truc avec plein de chiffres. En fait, tu peux parler avec des gens. Hyper gênant, j'enlève. Là, ce que j'allais faire, c'est que je vais regarder un petit peu les snap réactions. Coucou Fabien. Quel manque de respect. Ils ont dit Fabien. J'ai répondu à peut-être sa petite copine, on sait pas. Hein. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? À ma place, vous ferez quoi, genre? Non mais c'est une star sur Snap. Hein. Tout le monde lui envoie des snaps. Je coupe la sonnerie parce que là ça va plus. Pense que je vais aller dans sa pellicule, voir un petit peu ce qui se passe. Bon, du coup, je suis arrivé là directement dans sa galerie. Pourquoi déjà il y a ma chaîne YouTube? Pourquoi j'ai 87 000 abonnés? On sait pas. Mais là, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a une photo avec une meuf. C'est hyper choquant. Est-ce que vous pensez qu'il y a un couple et il me l'a même pas dit? À la fin de la vidéo, je vais lui demander des comptes, hein. Parce que ça date de hier. Je pense qu'il a vu hier la petite. Mais je suis hyper choqué. Il me l'a même pas dit. J'ai regardé un petit peu ses anciennes photos. Histoire de l'afficher un peu. Eh, mais cette demoiselle, il la voit depuis longtemps, hein. En août aussi, c'est encore elle. Il essaye trop de faire le BG avec son œil fermé comme ça et tout. C'est quoi ça? Il faut lui faire des cours de photo. Bon, on va quitter sa pellicule. Je pense qu'on en a assez vu. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas d'idée là. Je vais poster un TikTok sur son compte. Je vais faire un playback comme ça, comme en 2012 aussi. Je me suis replongé. C'est parti pour un TikTok improvisé. Je vais mettre Lucas, c'est pas que je poste ce TikTok. Soyez discret pour pas qu'il le voit. En mode, vous savez, genre personne va faire de notif et tout. C'est bon, je le publie. Je demande même pas l'avis à personne. Eh, c'est ça le but, hein. Il y a 10 minutes, on fait ce qu'on veut. Ça galère à se poster. C'est quoi cette connexion d'angoisse? Et c'est qui cette demoiselle? C'est bon, c'est posté. Mon Dieu. Et j'ai même pas marqué, mais il a encore Facebook. Venez, j'envoie un message à ma mère. Et je dis un truc en mode... Parce que ma mère, elle sait qu'il est avec moi en train de faire une vidéo. Je vais lui dire... Ça s'est mal passé avec Fabien. Il m'a foutu dehors. J'ai envoyé ça à ma mère. Ça s'est mal passé avec Fabien. Il m'a foutu dehors. Elle va être en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. C'est hyper choquant ce que je suis en train de faire. C'est le but de la vidéo, hein. Et pour finir, vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais changer son mot de passe pour ouvrir son téléphone. Au moins, il pourra même pas l'ouvrir. Ça, je pense que c'est la meilleure idée. Donc, je vais aller dans les réglages. Je vais aller dans
code. Je vais carrément supprimer sa Face ID. Hein. Y a pas. Déverrouiller l'iPhone? Non. Changer le code. Donc, je vais mettre quoi comme code? Je vais mettre ça. Il pourra même plus ouvrir son téléphone. Imaginez, ma mère, elle appelle ou elle envoie un message et tout en mode paniqué. C'est pas vrai, tu rigoles. Ma mère, elle a dit. Vous pensez, c'est genre, tu rigoles en mode, c'est une blague? Ou en mode, je sais que tu rigoles. Je lui réponds pas. On va l'appeler après en direct. Là, ça fait déjà un moment que je sais plus quoi faire. Mon dieu. Il y a plus rien à faire sur son téléphone, là. Bon, Thomas, c'est fini, hein. Oh non, c'est déjà fini. Bon, vas-y, viens, assieds-toi. On va récapituler un petit peu tout ça. Donc, tu vas commencer. Déjà, dis-moi ce que t'as fait, toi, en rapide comme ça. En premier, j'ai mis les photos. Quelles photos? Avec Marie et toi tout seul. Marie, mon ex? Oui. Il a montré une photo de moi et mon ex. Mais c'est hyper choquant. Et après, t'as fait quoi? Après, je me suis fait une pub. Sur quoi? Sur Instagram. C'est pour ça que t'avais plein de notifications en mode ouais. Comment ça vous suivez et tout. Ouais. Mais il croit que c'est la charité. Et après, j'ai envoyé un message à Jamy. T'as envoyé un message à Jamy? Oui. T'as envoyé quoi? J'ai envoyé que c'était fini avec, avec moi. Tu sais que tu voulais avec moi. Oh mais c'est hyper choquant. Il a marqué « Tiens, fais coucou à tes viewers sur TikTok ou YouTube, je suppose. » Ouais. Ouais, il a capté, quoi. C'était trop cramé. Ok, ensuite? Et ensuite aussi, j'ai fait un petit truc, engueule-moi pas. J'ai envoyé 10 euros PayPal parce que t'avais 10 euros PayPal. Tu t'as envoyé 10 euros? Ouais. Ah, mais le culot! Tu t'as envoyé 10 euros sur PayPal. Mais c'est une blague, quoi, comme ça? Non. Ouais, c'est vrai. Bon, bah ok, bah là je suis vraiment choqué. Mais tu veux savoir ce que j'ai fait moi? Déjà pour commencer. Bon, j'ai fait un truc pas ouf, j'ai juste regardé les applications que t'avais. Bon, des fois ça m'a choqué, ouais. T'avais Sniper 3D, Facebook, on se croirait en 2012. Ensuite, j'ai été sur Snap. Et j'ai mis une petite story assez drôle en mode passage de mon frère et tout. Du coup, ça va? Ouais. Ça va. Ensuite, j'ai été voir ton ta pellicule. Ouais. Et c'est quoi la photo d'hier? T'as été voir qui? Il y avait une autre fille. Ma meilleure pote. Sa meilleure pote. Bien sûr. Ensuite, j'ai envoyé un message à maman. Un message en mode ça s'est mal passé avec Fabien. Il m'a mis dehors et tout. Mais elle a réagi comment? Elle a pas répondu. Du coup, en fait, maman, elle y a pas trop cru. Du coup, on va l'appeler quand même pour lui dire que c'est vraiment faux. Parce que voilà quoi. Au moins, on l'informe. C'est parti, on l'appelle. Parce qu'imaginez, elle croit qu'il est à la rue quand même. Allô? Allô? Ouais. Ouais, du coup, tu y as pas cru au message? Bah, tu te fous une mie ou quoi? Ah, il n'y a pas cru, voilà. Non, mais c'était, pour... c'était pour YouTube, du coup, c'était un prank. Ah ouais. Du coup, tu veux faire des bisous aux abonnés? Bah ouais, de gros bisous aux abonnés. Ah ouais, un gros bisou. C'est vrai, c'est vrai. Des gros bisous aux abonnés. La dernière chose que j'ai fait, je laisse découvrir en allumant ton téléphone. T'as changé les mots de passe. Ouais, et t'as fait Face ID, là. T'as mis quoi? Je sais plus. Non, c'est vrai? J'ai mis au hasard comme ça. Et comment je vais faire? Je m'en rappelle plus. Je rigole. Ah. Du coup, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. On est bientôt aux 180 000 comme je vous ai dit. Donc allez-y, mettez des petits, vraiment des pouces bleus parce qu'on a quand même risqué quelques petites choses. Objectif 10 000 pouces bleus. Ok, l'objectif 10 000 pouces bleus. On 10 000 pouces bleus. On va essayer pour. Ouais, on essaye. Bref, oh. Je vous fais plein. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.